Bonjour Stella, tu as bien dormi? Bonjour les filles. Oh. Heureusement que tu as fini par te lever. Un peu plus si on mangeait tout ce qu'il reste. Je m'en doutais. Oh. Il y a un désordre monstre, on doit encore tout déballer. Le simple fait de regarder ces cartons me donne mal au cœur. Tu ferais mieux de prendre un bon petit déjeuner pour faire le plein d'énergie. On a un programme chargé aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Tu as déjà oublié? On doit faire un grand ménage, repeindre les murs, laver les vitres, déplacer les meubles, passer l'aspirateur et... Oh. Oh. Et on doit avoir tout fini pour ce soir car on a invité les garçons à dîner. Ça doit être étincelant. Il faut qu'on les laisse tous bouche bée. Moi j'espère au contraire qu'ils auront quelque chose à dire. On doit absolument rétablir la communication avec eux. Il y a eu quelques malentendus récemment et ce sera l'occasion de mettre les points sur les i. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, pas moi, je n'ai aucune mise au point à faire avec Brandon. Je l'ai vu embrasser une autre fille l'autre jour et je ne vois pas comment je pourrais pardonner une chose pareille. Je t'adore. En tout cas, ça ne m'empêche pas de vous aider. Non. Il n'y a rien de tel que de passer le dimanche à faire le ménage avec ses amis. C'est comme ça que je te reconnais et que je t'adore, Stella. C'est génial, je vais pouvoir manger sans compter les calories. Et un bon café pour te réveiller avec 3 sucres pour ne pas tomber en hypoglycémie. C'est trop bon. Musa, tu veux encore du café? Le livre sur l'histoire des fées a l'air de te passionner. Le chapitre sur Billy Vix est très intéressant. Il explique qu'une fée peut atteindre le niveau supérieur seulement si elle croit en la magie. Vous imaginez, ce serait super de passer de l'Enchantix au Billy Vix. Je ne trouve rien sur les nouveaux pouvoirs. Il est simplement précisé que les fées Billy Vix ont le choix entre 3 paires d'ailes. Tu sais, s'il existe une paire d'ailes de soirée, ça peut toujours servir pour les grandes occasions. Excusez-moi les gars, est-ce que vous auriez l'heure par hasard? On avait rendez-vous avec des amis et ils ne sont toujours pas arrivés. On espère simplement qu'ils n'ont pas eu d'ennui. Est-ce que tu peux être drôle, Brandon? Oh, pardon, mais c'est vous en fait. Je ne vous avais pas reconnu avec votre nouvelle coupe de cheveux. Le coiffeur s'est bien moqué de vous. Tu ferais bien d'y faire un tour toi aussi. Et tu aurais peut-être une chance de devenir un beau prince charmant comme moi et Elia. Qu'est-ce que tu attends pour lui annoncer la nouvelle? C'est un grand jour pour nous. On a enfin trouvé du travail! On va être livreur de pizza. Oui, j'avoue que ça n'a rien de prestigieux, mais Sa Majesté comprendra que nous ne pouvions refuser pareille offre. Et ça nous permettra surtout de payer le loyer. Et au lieu de prendre des scooters, on se servira de nos planches de skate. C'est le meilleur moyen d'éviter la circulation à Gardenia tout en passant totalement inaperçu. Ce ne sera jamais pire que ce tas de ferraille que Sky vient d'acheter. Oh, elle n'est pas si mal que ça, cette voiture. Il suffit que Naboo la retape un peu et ça deviendra un vrai bijou. Je ne te promets rien, la magie a ses limites, elle aussi. Moi, par contre, j'ai un véritable service à demander à Naboo. Je dois me débarrasser de Mitzi. Depuis qu'on s'est embrassé, elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Elle me suit partout, c'est ridicule. Je n'ai pas envie de lui faire de mal, mais je ne veux pas non plus qu'elle se fasse d'illusions. Il ne se passera jamais rien entre nous. C'est Stella que j'aime. Et à cause de Mitzi, je suis en train de la perdre. Ne t'en fais pas, Brandon, ce sont des filles. Stella aura bientôt tout oublié et elle te pardonnera et Mitzi arrêtera de te courir après. Tu es sûr de ça? Quelle question. Tu sais que je ne me trompe jamais en ce qui concerne les femmes. Je suis belle, sympa et intelligente. Personne ne résiste à mon charme. J'aimerais bien savoir ce que Stella a de plus que moi. Oh. Je vais aller espionner Bloom et ses amis, comme ça je connaîtrai le secret de Stella. Si elle a réussi à ce que Brandon tombe amoureux d'elle, alors moi aussi je pourrais y arriver. C'est bon, vous êtes prêtes les filles? Négatif, t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose? Tu veux parler de ça par exemple? C'est quand même pas très logique quand on y pense. Si on peut faire apparaître tous ces objets grâce à la magie, alors pourquoi on ne s'en servirait pas pour changer directement la couleur des murs? Parce que c'est beaucoup plus drôle de faire comme ça. Il va aussi falloir qu'on s'occupe de la décoration. J'aimerais bien avoir un gros fauteuil rouge dans ma chambre.
Finalement, non. Je préférerais qu'il soit rose. Repeins d'abord les murs avant de penser à la déco. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Whisk, dans tes yeux brille la lumière magique des Whisk. Tout au fond de mon cœur et pour toujours, je suis un Whisk. Il y a tant d'aventures dans le monde des Whisk. Aussi belles que l'étoile du ciel. Whisk, c'est la magie des déjà les spécialistes. Ils sont en avance. Ce n'est pas grave, on n'a rien à cacher. J'ai cru qu'il n'y avait personne. Je suis désolée. On est encore en plein travaux, comme vous le voyez. C'est pour ça que j'ai mis du temps à ouvrir la porte. Ça deviendra sûrement le plus bel appartement de tout Gardenia. Oh! Ça a l'air très lourd. Laisse-moi t'aider. On passait simplement vous dire bonjour, mais apparemment vous avez plutôt besoin d'un bon coup de main. Ça vous dit? Oui, d'accord. On est vraiment exténués. C'est pas compliqué de repeindre un mur. Regarde. C'est un travail de précision. Je vais te montrer comment on fait. Hé! Ton ex est vraiment trop mignon. Et j'ai comme l'impression qu'il est encore amoureux de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'en fais pas, je te promets que je n'en parlerai pas à Sky. Oh, comme c'est mignon. Il les aide à repeindre les murs. J'en connais un qui serait ravi de savoir ce qui se passe dans cet appartement. Mais pour ça, il faut que j'en garde la preuve en image. C'est dans la boîte. Je pourrais m'amuser à les prendre en photo toute la journée, mais je viens de me souvenir que j'ai un coup de fil urgent à passer. Pour que ce soit parfait, il faut aussi penser à repeindre la poignée. C'est bien, je vois que tu as le souci du détail. Oui, c'est vrai, c'est valable pour tout. Je fais toujours attention à ne rien oublier. Ça vous dirait de faire une pause? Oui, bonne idée. Oh, excuse-moi. Ça ne fait rien. Je te laisse essuyer tes vêtements toi-même. Mais je peux t'aider à enlever la peinture de ton visage. Je vois que vous êtes en très bonne compagnie. On est désolé de vous déranger, mais vous avez oublié de fermer la porte. Il n'y a aucun problème, on sera plus efficace à plusieurs. Prenez des pinceaux et venez nous aider. C'est cool. Ils passaient dans le quartier et ils ont gentiment proposé de nous aider. On a repeint les murs ensemble tout l'après-midi et on est épuisés. Je croyais qu'on devait passer la soirée avec vous. Mais si vous vous sentez fatigué, on va vous laisser vous reposer. De toute façon, on allait partir. On joue au Fruity Bar ce soir. Si vous avez envie, vous pouvez passer nous voir. D'accord, on essaiera de venir. Merci pour l'invitation. J'espère que vous viendrez. L'invitation est aussi valable pour vous. Merci, mais on vous a déjà vu en concert. On ne vous attendait pas si tôt, les garçons. On vous avait invité pour le dîner, si je me souviens bien. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous nous surveillez? J'ai reçu un coup de téléphone anonyme qui me conseillait d'aller voir ce qui se passait chez vous. Et je ne suis pas déçu du voyage. Apparemment, vous ne vous ennuyez pas sans nous. Et puisqu'on vous dérange, on préfère s'en aller. À bientôt. Enfin, peut-être. Et moi qui pensais qu'on allait passer la soirée avec eux, au lieu de ça, on va être toute seule. Ça ne m'intéresse pas de passer la soirée avec des garçons désagréables et jaloux. Je pense que je ne vais pas voir Brandon pendant un bon moment. Bon, écoutez les filles. Essayons d'oublier cet incident et concentrons-nous sur notre mission. Mission, aménagement de la maison. Mais non, Stella, notre mission est de retrouver la dernière fée terrienne. Pourquoi ça sonne? Apparemment, quelqu'un vient d'adopter l'une de nos peluches magiques et notre système de surveillance indique qu'il s'agit encore de notre ami mystérieux. Il doit beaucoup aimer les peluches et il commence à en avoir une belle collection. Il y a quand même une chose qui me chiffonne. À chaque fois, il utilise un nom différent et pourtant, il ne modifie pas l'adresse. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Si, c'est très bizarre et je crois que le moment est venu d'aller lui rendre une petite visite. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Ça a l'air un peu trop calme pour une maison remplie d'animaux. Si jamais il leur a fait le moindre mal, il aura affaire à nous. Il y a quelqu'un qui sort! Vite, cachez-vous! Je la reconnais, c'est la fille qui travaille au Fruity Bar. Je crois qu'elle s'appelle Roxy. C'est la peluche qu'elle vient d'adopter. Ils s'en vont. Vite, il faut les suivre!
Elle a un comportement suspect. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à se reprocher. Elle est bizarre. Ne tire pas de conclusion. On n'a pas encore la preuve qu'elle a fait quelque chose de mal, alors tu ferais mieux de te calmer un peu. Je te défends d'approcher de ces peluches. Stella, qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait de mal. Je te conseille de ne pas faire la maligne avec nous. Ne nous prends pas pour des idiotes. Qu'est-ce que tu fabriques avec toutes ces peluches? Il faudrait que tu apprennes à être un peu plus diplomate, Stella. Je pourrais au moins savoir qui vous êtes et ce que vous faites chez moi. Sois gentille, Artou, elles ne te feront aucun mal. Regardez, elles dégagent encore de l'énergie magique. Vous la sentez aussi? Oui, et cette énergie est aussi puissante que le jour où on est arrivé à Gardenia. C'était donc elle qui dégageait cette énergie et pas les sorciers d'Ogron. Ce qui signifie qu'elle est la fameuse fée que nous recherchons. Non, c'est impossible, on a dû se tromper. Une fée ne ressemble pas à ça. Une fée est élégante, gracieuse, aérienne, gentille et charismatique. Et ce n'est surtout pas son genre de se promener avec un chien méchant comme lui. Du calme, Artou, elles vont s'en aller, ne t'inquiète pas. Ces filles sont simplement un peu bizarres. Écoute, Roxy, je vais te faire une confidence. Tu auras sûrement du mal à me croire, mais je te promets que c'est la vérité. Tu es différente des autres filles, tu as des pouvoirs magiques qui font de toi une personne unique et spéciale. Tu réussis à être connectée aux animaux, à ressentir leurs émotions, à lire dans leurs pensées et à deviner leurs sentiments. Si tu y arrives, c'est parce que tu es une fée, Roxy. Oh, arrête, Artou! Au secours, allons-nous-en! Bloom, tu es sûre qu'on ne se trompe pas de personne? Bloom, je te parle! Je commence à en avoir assez, je n'ai rien fait de mal, alors fichez-moi le camp, si vous voulez les chiots. Vous devrez d'abord m'affronter. On ne veut pas te reprendre les peluches, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour te prévenir que tu es en danger. Bloom te dit la vérité, des sorciers sont à ta recherche. Figure-toi qu'ils sont prêts à tout pour te capturer. Je crois que vous avez un problème et je n'ai vraiment pas le temps d'écouter vos bêtises. Oh. Suivons-la. Si on veut qu'elle nous croie, il faut lui laisser le temps de se calmer. On s'est enfin débarrassé de cette bande de folles. Tu as besoin d'aide, ma jolie. Non, merci, ça va. On allait s'en aller de toute façon. Pourquoi es-tu si pressée? On a tellement entendu parler de toi, ma petite, qu'on a l'impression de te connaître par cœur. Il paraît que tu es la dernière fée sur Terre. Vous faites erreur. Non, ça m'étonnerait, c'est toi qu'on recherche. Que les portes du cercle noir s'ouvrent. Transmets-nous tes pouvoirs magiques. Mets fin à notre quête. Au secours, aidez-moi. Lâche mon bras, sale bête. Viens là. C'est inutile d'insister, vous voyez bien qu'elle ne veut pas partir avec vous. Oh, les Winx. Je me demandais justement quand vous nous feriez l'honneur de votre présence. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces hommes? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Vous les connaissez? Ces hommes sont des chasseurs de fées. Et c'est toi qu'ils veulent capturer. Mais on est là pour te protéger. Winx, enchantée. Elles font toujours la même entrée en scène, c'est d'un ennui. Moi, je ne me lasserai jamais de leur petite ronde, je trouve ça enchanteur. Oh, ça me fait plaisir d'avoir des fans aussi sympathiques que vous, et je tiens à vous en remercier. Océan de lumière. Va te mettre à l'abri, Roxy. Colère du dragon. Dommage pour vous, les sorciers du cercle noir sont immunisés contre vos pouvoirs. Bloom et moi, on ne se trompe jamais. Ils ne doivent plus s'approcher de Roxy. Notre priorité est de la tenir hors de danger. Hmm.
Approchez. N'ayez pas peur. Je veux simplement vous faire un petit câlin, mes jolies. Bouclier Morphix! Tu dois faire mieux que ça si tu veux me battre, Layla. Ça va, les filles? Vous en avez déjà assez de vous battre? Ça ne nous fait pas peur. À chaque fois que tu essayes de me frapper, je deviens plus fort. Vous gaspillez votre énergie pour rien. Rendez-vous et je ne vous ferai plus aucun mal. Vous nous avez rendu un immense service en nous guidant à cette fée. La dernière fée de la Terre. Et pour vous remercier de nous avoir fait ce cadeau, nous allons vous humilier et vous vaincre. Ogron, où est passée notre fée? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar. Les fées, ça n'existe pas. C'est une légende. Les fées, ça n'existe pas. Les fées, ça n'existe pas. Je suis en train de devenir folle. C'est pas possible. Les fées, ça n'existe pas. Tu te trompes, Roxy. Les fées existent et tu es l'une d'entre elles. Alors ça ne sert à rien de pleurnicher. Tu devrais nous suivre. Les fées, je vous en supplie. Aidez-moi. Ouvre grand ton cœur, Roxy. Ça m'étonnerait que les fées t'aient entendu. J'ai besoin de votre aide, je vous en supplie. Ah, je vois que tu commences à croire aux fées. Continue comme ça, Roxy, c'est exactement ça qu'il faut faire. Écoutez son cœur. Ne perds pas confiance. Oui, j'y crois. Je pense que les fées existent vraiment. Et vous rigolerez beaucoup moins quand elles viendront me sauver, je vous l'assure. Nous devons suivre l'exemple de Roxy. On doit ouvrir notre cœur pour ressentir l'énergie Billyvix. Ça suffit maintenant. Ouvrez le cercle noir immédiatement. Magie des winds, prends cette lumière qui t'éblouit.
Tu as vu? C'était facile, finalement. Il suffisait d'ouvrir ton cœur et de croire en fées. Merci, on est plus forte grâce à toi. Est-ce que vous êtes prêtes, les Wings? Que la bataille commence! Les filles, nous avons une mission. Madame Faragonda n'a pas pu percer le secret du cercle blanc et elle compte sur nous pour le faire. Je crois que c'est une perte de temps. Nous devons essayer. C'est la seule façon de comprendre ce qui a pu arriver aux fées terrestres. Et nous devons agir avant que les sorciers puissent mettre la main sur le cercle blanc. Grâce au pouvoir Bilivix de la voix magique, nous aurons les réponses à toutes nos questions. Comment ça fonctionne? Les objets et les lieux ont des souvenirs, Roxy. Avec l'aide de ce charme, on peut les trouver et les revivre. On ne sait vraiment pas ce que l'on va voir. Est-ce que tu es sûre de vouloir le faire? Quand Nebula s'est servi de moi pour combattre les sorciers, j'ai tout de suite compris à quel point les fées de la Terre souffraient. Tu es de plus en plus comme moi. Tu agissais instinctivement, mais maintenant tu sais ce que tu veux. Le livre des fées raconte que Nebula était une grande guerrière qui a été obligée de combattre Ogron et ses chasseurs de fées. Regardez le cercle, qu'est-ce qui se passe? Voici le dernier cercle blanc. Il existe de nombreux passages pour atteindre notre monde, mais ce cercle représente le dernier espoir pour nos fées d'échapper au monde humain et de retourner dans notre royaume, l'île Tirnanog. Les portails disparaissent, détruits par Ogron et les sorciers du cercle noir. Un cercle noir apparaît pour anéantir le cercle blanc. Bon nombre d'entre nous se battent contre les chasseurs de fées. Le cercle blanc est le seul à pouvoir nous sauver. Aucune ombre ne peut assombrir sa lumière. La voix de cette femme est la même que celle qui m'a dit que je devais croire en moi parce que je suis la fée des animaux. Tu es aussi la dernière fée de la Terre, mais quelque part derrière ce portail, il y a d'autres fées de la Terre. Oui. Et on va les trouver. Parole de Wings. Musa, tu es des nôtres? Quelle question! Bien sûr que oui. Tu es sûre qu'il n'y a pas de problème? Non, aucun. J'étais en train de penser à Jason. Il a promis de lancer ta carrière musicale. Tu verras qu'il le fera. Oui, j'en suis certaine, mais il se trouve qu'après ma rupture avec Riven, j'espérais qu'il se passerait quelque chose entre nous. Jason est gentil et très attentionné, tout ce que Riven n'a jamais su être. Jason est un producteur musical, il croit en ton talent. Peut-être qu'il ne sera pas ton fiancé, mais il sera ton ami. Et les amis, on n'en a jamais trop. Oui, vous avez peut-être raison. Peut-être qu'un beau voyage sur l'île de Tirnanog te remontera le moral. Mais avant de partir, il faut qu'on cache le cercle blanc. Je crois savoir où on va le mettre. Je vais utiliser la téléportation technomagique. On s'en est servi pour téléporter les peluches. Ah oui, oui, vas-y, j'adore quand tu nous sors tout ton charabia technique. Voilà, ça y est, l'objet a été scanné. Maintenant, il faut le transférer là où personne ne pourra le trouver. Il a disparu. Dis donc, Tecna, tu as envoyé le cercle dans le parc de Gardenia? Ne te fais pas avoir, ce n'est que le parc virtuel de Gardenia. Tu l'as caché dans ton jeu vidéo préféré. Il n'y a que toi pour avoir ce genre d'idée, Tecna. Qui pensera à aller le chercher sur Internet? Cette vibration magique très spécifique est dans l'air. Vous l'avez tous perçue, ces fées ont activé l'énergie du cercle blanc. En route!
il ne nous reste plus qu'à trouver où est l'île Tirnanog. Hey, que diriez-vous si on formait le groupe musical des Wings? Nous sommes en mission, mais moi je suis assez partante. Seulement si tu me donnes quelques cours de chant. Sans me vanter, je joue de tous les instruments. Je m'imagine très bien montée sur scène. Ne crois pas ça, Stella. Ce n'est pas si facile de se produire devant tout un public. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, j'ai le sens du rythme. Je trouve qu'on mérite une petite pause. On accompagne Roxy au Fruity Music Bar et on répète un peu. D'accord, je vais demander à Andy et à son groupe de nous prêter des instruments. Tu es adorable. Tu as raison, c'est une idée géniale. Salut! Salut! J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi souriant. Naboo, je n'ai pas du tout la tête à ça ce soir. Excuse-moi, je voulais seulement... Laisse tomber, je n'ai absolument rien contre toi. C'est encore à cause de Musa? J'ai l'impression que je fais tout de travers. Je voudrais qu'elle me pardonne, je voudrais la récupérer, mais elle est... Quoi? Tu ne vas pas lui reprocher ce qui s'est passé? Ça ne t'est jamais venu à l'idée que c'était de ta faute si elle était partie? Tu es jaloux et tu n'as jamais su lui faire confiance. Tu cherches à me remonter le moral ou à me déprimer? Je sais que tu tiens à elle, mais il faut que tu lui prouves. Excuse-toi, elle a besoin de voir que tu regrettes et que tu es prêt à changer d'attitude. Regarde-la avec des yeux différents et essaye de lui parler comme tu ne l'as jamais fait jusque-là. En clair? En observant les humains, j'ai découvert plusieurs choses. Les filles aiment être courtisées, elles sont sensibles et elles adorent les jolies choses. Ce n'est pas la même chose partout ailleurs? Si, mais les filles sur Terre aiment particulièrement les fleurs, la poésie et les cadeaux. Essaye d'être moins jaloux et plus gentil. Oui, mais surtout, offre des bouquets de fleurs et des cadeaux à Musa. Et ça, je peux faire, mais ne comptez pas sur moi pour lui écrire des poèmes en alexandrin. Je peux te filer un coup de main si tu veux. Tu n'as qu'à me dire ce que tu ressens et moi, je le tournerai en poésie. Et si tu te servais plutôt de ton bloc-notes pour prendre les commandes? Il y a des clients qui attendent, tu sais. Et tes yeux, comme des miroirs, reflètent le... Le ciel bleu, comme des petits fragments de ton âme et... Merci pour la suggestion, mais je m'en sors très bien toute seule. Ça va, je voulais juste t'aider, mais je vois que tu n'as pas envie d'être dérangée. Bon, d'accord, on va repartir à zéro. Un poète ne devrait jamais perdre patience, Riven. Et si on laissait tomber la poésie un instant pour s'occuper des fleurs? Je suis sûr que ça passerait beaucoup mieux. Oui, des fleurs. Il y a un fleuriste juste au coin de la rue. Quoi, là, tout de suite? Mais oui, tout de suite. Veille à ce que ce soit un gros bouquet de fleurs. Et surtout, ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout ici. Attention, chaud devant! Dégagez, dégagez! Oh, Rio! Musa, ce n'était qu'un tout petit bouquet de fleurs, je t'assure, je... Merci beaucoup, Riven. Rio est allergique au pollen. J'espère que tu es content de toi, maintenant. Les gars... Viens, Riven. Je ne l'ai pas fait exprès! Le cercle blanc est ici, j'en suis convaincu. Faites vite, les Wings peuvent revenir à tout moment. Sale petit monstre! Allez, ça suffit! Bien. Il n'y a rien, pas la moindre trace du cercle blanc. Mais il se trouve forcément ici, j'en suis sûr. Ça y est, je l'ai trouvé. Non, attends. Il est dans le jeu vidéo. Comment on va pouvoir y entrer? Human, tu restes là et tu gardes un œil sur l'appartement de ces bêtes volantes. Allons faire un tour dans ce parc virtuel. Ah,
Personne n'échappe à mon instinct animal. J'entends une mouche respirer à des kilomètres à la ronde. Alors, où est-ce que vous pensiez pouvoir aller ? Ne fais pas ton timide, vas-y, lance-toi, dis-lui que tu es un fan de sa musique. Raconte-moi la fable d'une fille d'un royaume lointain. D'une princesse qui ne savait pas. Misa, Misa. Arrêtez de bouger dans tous les sens, j'essaye de parler à ma petite amie. Mais que fait Riven sur la piste de danse? Je le paye pour travailler, pas pour se trémousser toute la nuit. Bouge de là, Musa ne pourra jamais me voir si tu restes planté là. Musa, Musa, ah, calmez-vous et oh, stop, arrêtez. Ah. Qui suis-je vraiment? Un jour je le saurai. Roxy, t'es sûre que tout va bien? Je sens qu'il est arrivé quelque chose aux peluches. Quoi, Roxy? Elles sont en danger, Sky, elles sont en danger. Hé! On revient tout de suite! Surtout, ne vous en faites pas! Roxy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te sens mal? Quelqu'un s'est introduit dans notre appartement et menace les peluches. Hein? C'est eux qui manigancent les sorciers du cercle noir. Peu importe qui ils sont, il faut qu'on les arrête. Quiconque menacera nos peluches aura affaire à nous. Dépêche-toi, Riven. Il n'y a pas de lumière, mais ça ne veut rien dire. J'ai peur qu'ils nous attendent à l'intérieur. Les filles, on y va en éclaireur. Les spécialistes peuvent entrer après nous. Sois prudente, Bloom. C'est promis, je serai une bonne fée. Ah ! Fais attention, Arthur ! Les filles, à nous de jouer. Wings, believe it ! Bien joué. Je vois que tu as apporté du renfort. Il vaut mieux assurer ses arrières quand des gars comme toi traînent dans le coin, Duman. Oh, ma petite chérie, tout va bien? Oh non, le cercle blanc est en danger. Les sorciers sont entrés dans le jeu vidéo. Je croyais que t'étais la seule à le faire, Tecna. Moi aussi, je ne supporte pas d'avoir tort. On est plus vieux et plus rusés que vous, les fées. On connaît plus de trucs. C'est ça, l'avantage de l'âge. Il faut les intercepter. Tu connais un moyen d'entrer dans le jeu? Oui, il y en a un, mais je ne l'ai pas encore essayé. On verra bien si ça marche ou pas. On doit sauver le dernier portail pour l'île Tirnanog. L'enjeu est beaucoup plus important que pour nos vies. Timmy, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Vous êtes prête? Vous avez tout compris? À vrai dire, non, mais si c'est le seul moyen qu'on a, on ne sentira rien, c'est sûr. Détends-toi, on va entrer dans le jeu en un rien de temps. Waouh! Ça vient de moi ou cet endroit me semble totalement différent de celui que j'ai vu ce matin? Je crois que c'est à cause de ces sorciers. C'est le signe de leur magie noire. Ils veulent nous faire savoir qu'ils jouent sur leur terrain, mais ils ne nous font pas peur. Les filles, écoutez ce silence, c'en est presque assourdissant. Ne nous laissons pas distraire. Gardez les yeux ouverts, il faut récupérer ce cercle. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de revivre un de ces cauchemars où je ne peux pas atteindre le sèche-cheveux. Il faut que je trouve un moyen de les aider. Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien.
Bravo, c'est une bonne idée d'examiner le terrain avec une onde sonique. Tu es inquiet pour Musa? Non, non, t'es fou. Non, elle est assez grande, elle peut se débrouiller toute seule. Qu'est-ce que c'était? Vous avez vu cette chose? Nous, oui, mais les Wings n'ont rien vu. Il doit bien y avoir un moyen de les prévenir. Concentre-toi, Timmy, sors-nous ta science! Tecna a apporté des modifications intéressantes à cet ordinateur. Est-ce que vous percevez quelque chose d'étrange? Oui, mais je n'y comprends rien. Super prisme! Mais comment tu as fait ça? J'en sais rien. C'était pas moi. Enfin si, mais c'était comme une sorte de sixième sens, comme si quelqu'un cherchait à me prévenir. Oui, là-bas quelque part, quelqu'un nous aide. Est-ce qu'il nous regarde aussi? Salut les gars! Vous êtes toujours là? Alors, quoi de neuf? Tonnerre d'été! Mon pouvoir est trop faible! Ici, la nature n'est qu'une copie de la réalité! Donnez plus d'énergie! Plus d'énergie! Essayons cette combinaison. Plus d'énergie à Flora. Vent d'automne! Voilà, c'est beaucoup mieux! Le toboggan continue de s'éloigner. Il nous faut le Billy Vix super rapide. Wing Speedix! On n'a pas bougé d'un pouce. Les choses fonctionnent différemment ici et nos pouvoirs ne sont pas aussi efficaces. Ce qui est tout à fait logique puisque les sorciers contrôlent le jeu. Je pourrais créer une distorsion sonique pour les distraire le temps que vous vous occupiez du reste. J'augmente au maximum les niveaux d'énergie des filles. Attaque harmonique! À notre tour, Wings Zoomix! Non, Flora, vous êtes cuite, les Winx, cuite. Sauve-les, s'il te plaît, Timmy. J'essaye. Ce n'est qu'un jeu vidéo. Flèche de feu. Garde du dragon. Vous ne sortirez jamais d'ici, les Winx. Vous n'irez nulle part. C'est nous qui fixons les règles de ce jeu. J'ai une idée. Il faut qu'on lâche le cercle. Alors lâchons-le maintenant. Et alors, on ne dit plus bonjour? Vous avez réussi, les filles. Mais Duman, il est passé où? Il a dû profiter de notre manque d'attention pour s'échapper. On était beaucoup trop absorbés par l'ordinateur et il nous a filé entre les mains. Tu avais promis d'être prudente, Bloom. Je n'ai pris aucun risque inutile. Tu vois, je t'avais dit que j'étais une bonne fée. Waouh, tu m'impressionnes, Musa. Tu as été géniale. Merci, Riven. Même Internet n'est pas un abri sûr pour le Cercle Blanc. Et on ignore encore si les sorciers ont été vaincus ou seulement affaiblis. À mon avis, ils sont allés se cacher pour soigner leurs blessures. Que s'est-il vraiment passé? Ils sont entrés en contact avec le Cercle Blanc sans utiliser de charme protecteur. Heureusement, il est toujours entre nos mains. Je croyais que les sorciers l'avaient pris. Au lieu de ça, leur énergie négative s'est heurtée à l'énergie positive et a déclenché une grosse explosion. Alors on devrait continuer et se servir du Cercle Blanc. C'est le dernier portail pour le royaume des fées. Je dis qu'on devrait se rendre sur l'île Tirnanog pour libérer ces fées prisonnières. Hein? D'accord, mais pas ce soir. Je crois qu'on a besoin de se détendre après cette mission. Et si on allait faire une petite répétition au Fruity Music Bar? Oui! Tu sais que je ne t'oublierai jamais. Pour ton premier concert sur scène avec ton groupe, tu as cartonné, tu étais géniale, Musa. Merci, Andy. Venant de toi, c'est vraiment un compliment, mais... Oh non, ne me dis pas que ce sont encore des fleurs. C'est quoi ton problème? Elles ne sont pas pour toi, elles sont pour elles. Riven,
Et d'ailleurs, rassure-toi, elles sont en chocolat. Oui, enfin, elles étaient. Ton concert a duré très longtemps et il a fait chaud. Elles ont dû fondre un petit peu. Du chocolat pour moi ? C'est la dernière fois que j'ai une attention romantique. Et c'est la dernière fois que je suis tes conseils stupides. La dernière fois. Musa, tout va bien ? Non, Flora, rien ne va. J'ai l'impression de me cogner à mon ex-petit ami, mature où que j'aille. Et je commence à en avoir ras-le-bol de lui. Tu as essayé d'aider Riven ? Eh bien, j'ai certainement mal compris certains détails. Je voulais seulement lui donner quelques conseils amicaux. Je croyais que les sentiments étaient universels, Flora. Ils le sont, mais peut-être que la Terre a des codes différents des nôtres. Chaque monde a ses propres exceptions. Riven, je te dois quelques excuses. Naboo m'a tout raconté et je suis désolée de ne pas y avoir prêté attention. C'est vrai, tu t'es montré si gentil dernièrement et d'un grand soutien avec moi, mais je ne sais plus trop ce que je désire, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses et tout se bouscule dans ma tête. En fait, je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Oh, je comprends. Mesdames et messieurs, une étoile est née ce soir. Enfin, plutôt 6 étoiles. Les filles, vous avez été épatantes. Ouais. Layla, où cachais-tu tous ces talents musicaux? Tu as été géniale. Et toi, tu es un menteur, mais merci quand même, Marc. C'est le genre de mensonge qu'on aime toujours entendre. Mon pouvoir sur le climat est tout puissant. Je n'ai aucune limite. Les profondeurs des ténèbres n'ont plus aucun secret pour moi. Voilà les malédictions de la glace les plus puissantes de la dimension magique tout entière. Mais il nous faut davantage de pouvoir pour réussir à vaincre les Wings. Le parcours de l'examen est difficile. Tu dois maintenir ta vitesse, Flora. Les tricks deviennent chaque jour de plus en plus fortes. Je dois m'entraîner plus dur. Sois confiante, Flora, et concentre-toi uniquement sur ton pouvoir. Tu peux y arriver. Concentre-toi sur ce que tu aimes le plus. Elia. Tu sais, quand je pense à toi, Elia, je crois enfin en moi. Laura, non! Je suis désolée, professeur Palladium. Ne t'inquiète pas, nous allons continuer à travailler. Oh, je n'arrive pas à rester concentrée. Je te connais, Flora. Tu es courageuse et puissante, mais il faut absolument que tu croies plus en toi. La directrice Faragonda vous veut dans son bureau. Cher Wings, nous devons faire face à une situation délicate sur Terre. Et cela implique vos pouvoirs Bilivix. Que se passe-t-il, Madame Faragonda? J'ai bien peur qu'il s'agisse du Lilo. J'en ai entendu parler. C'est une plante magique, n'est-ce pas? Vous avez ramené la magie sur Terre, et c'est pour cette raison que le Lilo fleurira ici pour la première fois depuis des siècles. Mais pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas une bonne nouvelle? La plante Lilo est extrêmement puissante, et comme beaucoup de choses magiques, elle peut être utilisée pour le bien et le mal. Nous veillerons sur elle. En tant que fée Bilivix, ça relève de notre responsabilité. Bien, je pense que le Lilo est quelque part à Gardenia. Il ne fleurira qu'une seule fois au coucher du soleil. Après ça, il perdra son pouvoir. C'est pourquoi vous devez absolument empêcher qu'il tombe dans de mauvaises mains. J'ai comme l'impression qu'elle parle de nous. Nous devons trouver le Lilo avant les Wings. Avant le coucher du soleil? Et ensuite le planter? Mais comment va-t-on faire? Écoutez-moi, nous devons rassembler les spirales du vide. Elles nous guideront vers le Lilo. Ah!
Dépêche-toi! J'arrive! Je n'arrive pas à croire que je sois obligée de te garder toute la journée et de t'emmener au jardin associatif. Allez, donne-moi ça. Mitzi, fais attention. Oh, arrête, c'est quasiment de la nourriture pour verre. Non, ce n'est pas vrai. Je crois même qu'un jour, cette plante deviendra une superbe fleur. D'accord, si tu veux. Mets-la dans le coffre. Comme nous allons au jardin associatif, tu pourras planter cette stupide plante. Oh, merci beaucoup, Mitzi. Mais d'abord, je dois m'arrêter à différents endroits. Ce serait logique que le Lilo se trouve ici, à Gardenia, tu ne trouves pas? C'est ici que nous sommes devenus des fées. Alors, les filles, par où on devrait commencer? Ah, je sens le Lilo. Magasin de ta maman. Qu'est-ce que vous regardez? Alors, où se trouve-t-il? Je n'en sais rien. Normalement, les spirales du vide nous ont amenés près de là où il se trouve. Regardez! Les Wings! Cachons-nous! Maman, Bloom, les filles, oh, quelle bonne surprise! Je peux savoir pourquoi on se cache? C'est vrai, on peut les battre! Si les spirales du vide ne nous emmènent pas jusqu'au Lilo, peut-être que les Wings, elles peuvent le faire. Oh, top là! Nous sommes à la recherche d'une plante très particulière, maman. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée de la plante au jardin associatif. Les gens de toute la ville vont apporter des plantes. Je vais y aller moi aussi. Super, allons jeter un coup d'œil. Flora, est-ce que tu sens quelque chose? Oui, je crois. Le Lilo était là-bas. Est-ce que tu en es sûre? Eh bien, c'est ce que j'ai senti. Flora sait où se trouve le Lilo. Génial, de quel côté on va? Je te connais, Flora. Tu es courageuse et puissante, mais il faut absolument que tu croies plus en toi. Par là. Alors allons-y tout de suite, il faut qu'on trouve le Lilo avant qu'il fleurisse. On revient plus tard, maman. Oh. Allons-y. Les filles. Salut. Là.
Dépêche-toi, Messi. J'ai des courses à faire. Oui, Mitzi. Pourquoi as-tu amené cette chose? C'est encombrant. Nous allons au jardin associatif, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui, Messi. Mais d'abord, on fait les boutiques. Le centre commercial? Flora, est-ce que tu es vraiment sûre de toi? Oh, quelle importance! Il y a des soldes! Flora, toutes les plantes présentes ici sont en plastique. Le Lilo est ici. Oh, Bloom, c'est vraiment toi? Bonjour, les Winx. Salut, toi. Le Lilo. Oh, tu vois, tu l'as trouvé. Bien. Oh. Regardez qui voilà. Les Trix cool. Alors, c'est le Lilo? Allez, donne-le-moi. T'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai dit, donne-moi le Lilo. Donne-lui tout de suite. Non. Quoi? Non. Je ne vous le donnerai pas. Mauvaise réponse. Prenez-le. Et c'est reparti. Vive les petites sœurs! C'est le pire baby-sitting de toute ma vie! Allez, debout les Winx! On ne peut pas laisser les Trix prendre le Lilo! Winx Magic Beeps! Bloom! Fée de la flamme du dragon! Stella, fée de la lune et du soleil. Lisa, fée de la musique. Tecna, fée de la technologie. Nom d'une pipe. Regardez. Je vais te prendre ça. Eh bien ça, j'en doute. Oh, les Winx. Laissez-la partir. Hors de question. Ça suffit. Exactement. Elle m'a frappée. Ça fait mal. Tout comme ça. Crash stéréo. Non, arrête. Cœur du dragon. Tempête solaire. Technochoc. Elles n'ont jamais été aussi difficiles à vaincre. Tu as raison, Layla. Il faut absolument qu'on soit plus forte.
Faites diversion pendant que je récupère le Lilo. Toile de la confusion. Salut. 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 Je déteste quand elle fait ça. Oui, c'est laquelle, la vraie sorcière? À nous de le découvrir. Vague Morphix. Danse du soleil. Nuage noir. Attention. Ils partent récupérer le Lilo. Tu voulais aller au jardin associatif, c'est ça? Donc nous y allons. Elle pense qu'elles nous ont échappé. Quelles idiotes. Allez, dépose cette plante ici. Vite. J'en prendrai bien soin. Merci. Tu n'auras pas le Lilo ici. Qui pourra m'en empêcher? Toi? Oui. Moi. Tempête solaire. Ouragan Andros. Ça suffit comme diversion. Darcy, tu as perdu ta langue? Par ici, Stormy. Mais je suis d'accord. On y va? Les Winx, on ne doit pas les laisser s'échapper. Allons-y. La jolie petite Flora, tellement courageuse. Tu n'as pas la moindre chance contre moi. Et pourtant, je crois que si. Vent d'automne. Brûlure glacée. Anneau de printemps. Faites attention, poussez-vous. Je vais t'attraper, la fée des fleurs! Pas si on t'attrape d'abord! Aucune chance! Maintenant qu'on a le Lilo! Non! Oh, quelle impertinence! Allons-y, mes sœurs. Je m'occupe d'elle. On récupère le Lilo. Tu es sauvée. Moi, c'est Flora. Je sais, oui. Moi, c'est Messi. Ravie de te connaître, Messi. Et maintenant, mes amis et moi allons récupérer ta plante. Préparez-vous, les filles. On peut encore s'emparer de cette chose. Oh. Wow! Est-ce que t'as vu ça? Oh. Le soleil se couche. C'est maintenant. Ah.
trop petit et trop lent, les fées. Abandonnez les Winx. Vous avez perdu. Non, jamais. On n'abandonnera jamais. Jamais. Tant que les gens croiront en nous, on ne cessera jamais de vous combattre, les Trix. Eh bien, dans ce cas, adieu, très chère fée. Oui, au revoir, Bloom. Je crois en vous, les Winx. Oh, nous aussi, ouais, on croit en vous, les Winx. Allez, les Winx. Alors, battez-vous. Ouais. Non. Non. Ce qu'il se passe est impossible. Et pourtant, c'est bien le cas. Winx. Merci de croire en nous. Je savais qu'elle deviendrait une magnifique fleur. Je suis tellement heureuse que tu aies cru en nous, Messie. Écoutez, les Winx, on doit être à l'affût de la moindre chose qui ne nous semble pas normale. Qu'entends-tu par pas normal? Que pensez-vous de ça? Venez! D'accord, ça, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que c'est? Ça a tout l'air d'être un genre de pieuvre géante. Attention! Tenez bon, on arrive! Je reformule. Un genre de pieuvre géante et électrique. Une pieuvre électrique? J'ai besoin d'aide par ici. J'arrive. Oh, mais lâchez-nous. Flora! Tecna, il faut que tu fasses quelque chose. Je sais, Flora, mais qu'est-ce que je dois faire? Tecna! Dépêche-toi! D'accord. Aura de Cyrenix! Oh, c'est félicitations, jouée, Tecna! Félicitations, Tecna! C'est bien, tu as réussi! Félicitations, Tecna. Tu as trouvé ta propre formule de Cyrenix. L'aura de Cyrenix. Tecna, tu as été particulièrement efficace. Ça, on peut le dire, oui. C'était fantastique! Oh, je crois qu'on devrait fêter ça. Eh bien, merci, mais... Et c'est bien pour ça que nous t'avons réservé quelque chose de spécial. Afin de t'aider à célébrer ce moment, nous t'envoyons un rendez-vous galant. Un rendez-vous? Oui, un rendez-vous romantique avec Timmy. Oh! Ne t'en fais pas, tout est prêt. Oui, vous allez dîner dans le restaurant le plus cool de la cité magique. Mais... Je ne crois pas que Timmy sera d'accord, il est très timide. Tecna, Timmy et toi passez votre temps à vous envoyer des textos et des emails. Vous n'êtes jamais réellement en présence l'un de l'autre. Vous entretenez une relation exclusivement virtuelle, ce qui est virtuellement impossible. Mais... Super! Brandon, nous sommes prêtes pour l'opération Rendez-vous Parfait. Bien reçu, princesse. Dis à Tecna que Timmy la rejoindra au restaurant. Écoutez, je vous assure, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je ne suis pas le genre de garçon à aller à un rendez-vous. Allez, courage. Ça va bien se passer.
Et la tenue que tu portes est très branchée. Peut-être que si c'est toi qui l'as portée, tu aurais l'air cool. Sur moi, je trouve que c'est... ridicule. Riven. Eh, quoi, j'ai dit ça comme ça? Écoute, Timmy, tu vas être super. Tu dois juste te souvenir de quelques règles de base à respecter quand on sort avec une fille. Des règles? Comme quoi? Comme ne pas trop parler de technologie, ou de tout ce qui tourne autour des ordinateurs, des programmes codés, ce genre de choses. Ouais, d'accord. Et surtout, oriente la discussion vers des choses qui intéressent Timmy. Comme les ordinateurs, les programmes codés. Enfin, tu vois, la technologie, quoi. Vous avez raison. Quand tu as un rendez-vous avec une fille, surtout ne fais pas trop de blagues. Les filles n'aiment pas trop les rigolos. Pas de blagues, c'est noté. Les garçons aiment penser qu'ils sont drôles, donc assure-toi de rire à toutes les blagues de Timmy. Même si elles ne sont pas drôles? Surtout si elles ne sont pas drôles, Tecna. Oh, et attends, une dernière chose. Oh? Pas de téléphone. Attends, mais... Ne t'en fais pas, je l'ai juste mis en mode silencieux. Tiens, maintenant, plus rien ne peut interrompre votre soirée incroyablement romantique. C'est bien ce qui me fait peur. Oh, je suis tellement contente d'être là. Timmy! Ah, Tecna! Désolé, je suis en retard. Je ne trouvais pas le bus et ensuite... Oh, oh, oh. Merci, Timmy. Oh, mais je t'en prie. Waouh, Tecna, tu es vraiment magnifique. Merci. Toi aussi, tu sais, tu es très... très à la mode. Votre table est prête, elle est juste ici. Ah oui, c'était très beau. Tritanus se dirige vers le pilier de la maîtrise de soi. Oui, nous allons l'arrêter. Bloom, il faut que tu détruises le sceau. Détruire le sceau? Détruis le sceau du pilier de la maîtrise de soi. Détruis-le! Mais Daphné! Daphné! Est-ce que tout va bien, Bloom? Daphné dit qu'on devrait détruire le sceau du pilier de la maîtrise de soi. Détruire le sceau? Mais sans le sceau, le pilier va tomber en ruine. Et plonger la dimension magique dans le chaos une fois de plus. Attendez, réfléchissons. Nous avons réussi à stabiliser les autres piliers lorsqu'ils ont perdu leur sceau. Si nous détruisons le sceau, Tritanus ne pourra plus jamais s'en emparer. Bien sûr, et ensuite nous pourrons ne faire qu'une bouchée de Tritanus. Parce qu'il aura perdu. Allez, les Wings! Direction le pilier de la maîtrise de soi. Magic Wings Sirenix! Qu'en est-il au plus profond de moi-même? Je ressens tout le monde. Bloom, fée de la flamme du dragon! Je nage dans la dent bleue.
atteindre le pilier de la maîtrise de soi. Il faut qu'on arrête Tritanus. Oui, c'est par ici, suivez-nous. Tritanus! J'ai besoin de toxines. C'est pour ça qu'on est là. Cet endroit est très pollué. Rappelle-moi pourquoi on continue à aider ce type. On le fait parce qu'ici... Je le sais, oui, je le sais. Est amoureuse. Tu es prêt pour une collation? Venez par là, vous deux. Mon Tritanus a besoin de nourriture. Voilà exactement ce qu'il me fallait. Regardez qui est de retour. Et à nouveau prêt pour de l'action. Allons chercher le dernier sceau. D'accord, empereur. Direction le pilier de la maîtrise de soi, impératrice. Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Une invitation? Alors? Alors? Sais-tu ce que tu vas commander? Oh oui. J'allais presque oublier de regarder la carte. Oups. Oh, ne t'en fais pas, je vais la ramasser. Non, non, je vais le faire. Oh. Désolée. Non, c'est ma faute. Souviens-toi de ce qu'ont dit les garçons. Ne parle pas de technologie et ne fais pas de blagues. Parle de technologie et ris à ses blagues. Technologie et rit à ses blagues. Alors, Timmy? Oui, Tecna? Je me demandais, tu as entendu parler des modifications apportées au superordinateur XL7? Le superordinateur? Non, pas vraiment. Enfin, je passe assez peu de temps autour des ordinateurs en ce moment. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Du sport, principalement. Tout sport de ballon ou de bâton pour taper la balle. Enfin, ce genre de choses. Oh, je ne savais pas que tu étais... Oh, attends, tu me fais juste une blague. C'était très drôle. Je n'ai pas vraiment voulu faire une blague. Oh, désolée. Que puis-je vous servir, jeune tourtereau? Je vais prendre les pâtes. Excellent choix. Et pour vous, monsieur? Je vais prendre la première chose inscrite sur la carte. Bien, monsieur. Nous avons donc un plat de pâtes et une soupe du dragon extrêmement épicée. Tu m'excuses juste un petit moment? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Je reviens tout de suite. Oh là 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 là, vu la tournure que prend ce dîner, je ne t'en voudrais pas de ne pas revenir. Le voilà, c'est le pilier de l'estime de soi. Combattons Tritanus ici. Mettons-nous au travail. Oui, mettons-nous au travail. D'accord. Non, je veux que vous attendiez ici. Mais Bloom, c'est plus sûr. Venez les Wings. Pour réussir à détruire le sang. Oui, prête. Oui,
magie n'a aucun effet sur cette chose. Timmy, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que jusque-là, ce dîner n'a pas été parfait. Je crois pas que... Attends, laisse-moi dire ce que je dois dire. Le fait est que tu es la personne la plus intelligente, la plus gentille et la plus exceptionnelle que je connaisse. Et, en fait, j'aime simplement être avec toi. Waouh, c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais dite. Mais... Et vous êtes à la mauvaise table. Je suis vraiment désolée. Hé, te revoilà. Tecna, est-ce que ça va? Oui, je viens juste de faire une toute petite erreur. Mademoiselle, monsieur. Ne t'en fais pas pour ça, tout le monde fait des erreurs. Même moi. Ça c'est épicé. Ah oui, ça c'est vraiment très épicé. Appréciez-vous la soupe du dragon, monsieur? Ça c'est fort, c'est fort. Elle est bien, bien épicée. Merci, monsieur. Tiens, bois un peu. Encore. Encore. On est vraiment dans le pétrin. Allez, Tecna, Tecna, réponds. Oh, Tecna, on a besoin d'aide. C'est le pilier de la maîtrise de soi. Dépêche-toi. Je dois partir. Ouais, je comprends. Vas-y. Wings Magic Sirenix. Connecté au plus profond de moi-même, je ressens toute la force de l'océan. Sirenix, tu es notre inspiration. Tecna, fais de la technologie. Et l'océan infini. Vis en moi comme un flot de magie. Tecna, Licia, je dois me rendre au pilier de la maîtrise de soi. D'accord. Viens vite. Oh, j'arrive. Attends, Tecna. La magie ordinaire ne sera pas efficace. Il ne me reste plus qu'à faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Protégez le pilier. Tecna, préparez-vous les wings. Non, ne lui fais pas de mal. Flora, sois raisonnable. Il a juste faim. Ça, on le sait. Il essaie de nous manger depuis tout à l'heure. Arrête ça. Tecna, il te voit. Tecna. Hé, il est...
était juste un peu sonné, Flora. Je suis sûre qu'il est plus affamé que jamais. Dans ce cas, je peux faire quelque chose pour lui. Festin de la nature! Maintenant, finissons le travail pour lequel nous sommes ici. Piqûre de Neptune! Diamant lumineux! Brûlure de lave! Oui! On a réussi! Oh non alors! Tout tombe en morceaux une fois de plus! Les Wings vont tout arranger. Maintenant, il faut stabiliser le pilier de la maîtrise de soi! Convergence Sirenix! Super! Oh, j'ai vraiment hâte que Tritanus voit ça! Alors, on en était où? Tecna! Retour au paradis. La prochaine vague est pour moi. Trop tard, Sky. Rattrape-moi si tu peux. Ouais. Oh, attention, Nex. Il y a un requin sur ta droite. Mais c'est pas un requin, c'est un dauphin. Vous avez perdu tous les deux. Vous devez être déçus. Mais nous, on a bien rigolé. Si vous étiez monté à bord de mon bateau technomagique, vous auriez évité de boire la tasse. Vous êtes prête à explorer l'île? Avec plaisir, mais où est Stella? Et Brandon, où est-il? Thank you.
Mais où est passée Stella? Oh. Quelle horreur! Un monstre des sables! Oh, Stella! Je ne suis certainement pas à mon avantage, mais de là à m'appeler monstre des sables! Surprise! Oh, que c'est beau! Brandon, ces fleurs sont absolument magnifiques! Sans doute, mais pas aussi belles que toi, ma princesse. On vous dérange, les tourtereaux? Eh bien, je n'aurais jamais cru qu'il puisse exister d'endroit aussi merveilleux que celui-ci sur la Terre. Il y en a bien d'autres comme celui-là, mais la baie du paradis est unique. Ici, la nature est totalement préservée. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi harmonieux, même sur Mélodie. C'est ça, tout est en harmonie ici. Rien ne dénote, tout est parfait. Regardez, qu'est-ce que c'est? Un lac tout rose. Il n'y a pas de lac rose dans les environs, à moins que... Des flamants roses, ils sont magnifiques. Et là-bas, c'est une antilope. Oh, c'est beau. Un appel de Roxy. Bonjour tout le monde. À Maroc, je peux savoir à quoi tu joues? Précisément, je joue avec les bébés tigres. Enfin, je devrais plutôt dire que ce sont eux qui jouent avec moi. À Maroc, c'est parler. Comme tous les autres animaux féeriques, grâce à nos pouvoirs Tiny-X. Allez les enfants, on laisse Amarok tranquille. Salut Gedo, viens faire coucou. Tu as vu, Brandon? C'est Sunny. Ça suffit. Désolée, Bloom. J'ai été distraite pendant un moment et quelqu'un m'a chippé mon téléphone. Les
les Martins d'alerte viennent de me prévenir d'un très grand danger sur la Terre. Quelque chose menace les animaux de la baie du paradis. C'est une drôle de coïncidence. C'est précisément là que nous sommes. Et quelles espèces sont menacées cette fois-ci, Roxy? Ce sont tous les animaux de la baie qui sont en danger. Sky, nous avons besoin de vous. Nous sommes là pour ça, Bloom. Nous allons former deux groupes pour repérer plus facilement cette menace. Si quelque chose vous semble étrange... Nous savons ce que nous avons à faire. En avant, les garçons. Bizarre, je ne vois vraiment rien d'anormal. Arrêtez-vous! Vous avez entendu ça? Personnellement, je n'entends rien. Et c'est bien ça qui est bizarre. Oui, Bloom a raison. Cette forêt est beaucoup trop calme. Voyons voir. D'accord, je vois ce que c'est. Par ici! Vous avez vu la végétation? Elle change. Et le sol devient glissant. Faites attention où vous mettez les pieds, vous pourriez tomber. Mais où est-ce que nous avons atterri? C'est dans cet endroit que vit la menace qui pèse sur la baie du paradis. En tout cas, c'est ce que me disent les plantes. Il y a un terrible mystère enfoui à l'endroit même où nous nous trouvons. Si la solution à ce mystère se trouve enfouie quelque part là-dessous, il faut que nous allions la chercher. Ah oui? Si ça veut dire creuser à quatre pattes dans cette boue, ne compte pas sur moi. Je me suis fait faire les ongles pas plus tard qu'hier. Pas de panique, Stella. Nous ne creuserons pas. Nous allons utiliser nos pouvoirs Timex. Wings Magic Timex! Les Wings, vous voyez ce que je vois? Nous sommes au cœur de la baie du paradis, à l'intérieur d'une feuille. Dans le mini-monde d'une feuille, pour être précise. Comme à l'intérieur d'une machine qui crée la vie et ne s'arrête jamais. Je me sens tellement bien ici. C'est l'univers d'une plante. En parfaite harmonie. Parfaite dans le moindre détail. C'est ça la beauté de la nature. Sunny, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh!
Les pouvoirs Tainix ont créé entre nous des liens qui ne peuvent être rompus. Où que vous soyez, nous pouvons vous rejoindre. Oh, Elliot! Voltigeur, c'est bon de te revoir. Nous voilà dans un nouveau mini-monde. C'est tout bonnement incroyable. Oui. Tu veux faire une petite balade? Avec plaisir, Kitty. Regardez. La petite créature est en danger. Et ces monstres n'ont pas vraiment l'air accueillants. Moi, je leur trouve carrément l'air teigneux à ces bestioles. Des acariens de plantes. Je les ai reconnus à leurs griffes. Mais comment c'est possible? Ils ne sont pas si gros d'habitude. Tecna, tu oublies que c'est nous qui sommes minuscules. Nous pouvons quand même être utiles. Éclair de zénith. Flèche de domino. Vous commencez sérieusement à m'irriter, les affreux. Lumière de Solaria. Oui. Wings 2, Acarien 0. Bloom, et voici les Wings. Et moi, je m'appelle Chloé. Je suis une feuillue. Ce qui signifie... que j'habite le mini-monde de la feuille. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces vilains acariens? Notre lymphe. Ils en sont très friands. Ils essaient tout le temps d'en chaparder aux sources de chlorophylle. Nous empêcherons quiconque de détruire la baie du paradis. C'est un endroit tellement merveilleux. Il y a la mer, la nature et toutes ces fleurs qui poussent sur la plage. Et qu'est-ce que vous savez de ces fleurs qui poussent sur la plage, hein? Elles sont vraiment splendides. Mon fiancé m'en a offert tout un bouquet, j'étais ravie. Mes sœurs feuillues, celles-ci sont nos ennemies. Vos ennemis? Elle dit ça pour nous faire peur, n'est-ce pas? Attrapez-les! Nous devrions partir, et vite! Okay.
Oh, oh Layla, non! Aura musicale! Oh, oh merci, Musa! Maintenant, ça suffit! Non, Stella, nous ne pouvons pas nous battre contre elle! Mais les feuillus ne nous laissent guère le choix! Vous êtes brûlantes, les mauvaises herbes! Mène-moi jusqu'à cette Chloé, vite! Arrête ça, Chloé, s'il te plaît! Nous ne voulons pas nous battre contre vous! Mais nous, oui! Bouclier de printemps! Souffle de l'Alphéa! Ta magie naturelle est vraiment trop puissante! Nous ne pouvons rien contre toi! Je crois que tu nous dois quelques explications, et immédiatement! Vous avez attaqué. Nous sommes ici pour vous aider. C'est un mensonge. Cette menace qui est en train de transformer la baie du paradis en désert. Cette menace, c'est vous. Mini Wings. Amis, nous allons vous emmener en lieu sûr. Très bien. Maintenant, on peut y aller.
adorables phoques que vous voyez jouer au ballon étaient sérieusement en danger. Depuis qu'ils sont arrivés au refuge pour animaux, ils sont heureux et en parfaite santé. Et ce, grâce aux Winx. Ouais. Bravo. J'adore les applaudissements. Je vous présente les véritables stars du moment, les animaux féeriques. Ne sont-ils pas magnifiques? Allez les amis, faisons-leur une petite démonstration. Donc, c'est très impressionnant. Je veux caresser le petit phoque. Non, c'est moi qui l'ai vu la première. On se calme, les enfants. Vous allez lui faire peur. Patientez encore un peu, le meilleur reste à venir. Vous le confirmez, les Winx? Attendez, nous vous réservons un extraordinaire spectacle de magie. Ne le ratez surtout pas. Ces bébés phoques ne vont pas rester chez nous toute leur vie. Ils retourneront dans leur habitat naturel lorsqu'ils auront un peu grandi. Il en est d'ailleurs ainsi pour tous les animaux qui vivent ici. Les Winx, pendant que je poursuis la visite du refuge, auriez-vous la gentillesse de surveiller les animaux? Mais avec plaisir, Roxy. Compte sur nous. Nous vous donnerons un coup de main. Ce qui nous permettra d'apprécier plus longuement votre compagnie. Bloom, est-ce que tu as aimé mon petit numéro? Oh oui, c'était vraiment... Enfin, c'était simplement, comment dire... unique. J'aime beaucoup cet endroit, Bloom, il est tellement magnifique. C'est étrange, cette impression. J'ai comme la sensation d'être espionné. Oh, Elliot, sors de là, veux-tu? Allons, viens, rejoins-nous. Je peux, c'est vrai? Mais bien sûr. Bien sûr que non, Elliot. Dis-moi, Sky, quand as-tu rencontré Bloom? Attends que je réfléchisse. C'est quand que tu es tombé amoureux d'elle? Oula, alors voyons voir. Tu viens d'où, toi, hein? T'es quelqu'un de sérieux ou pas? Écoute, Elliot, je t'aime bien, tu vois, mais pour l'instant, tu veux pas nous laisser un peu tranquille? Sky, tu ne vas pas me dire que tu es jaloux d'Elliot? Quoi, moi? Jaloux de ce... d'une licorne? Non, mais laisse-moi rigoler. Il n'a pas tort. Quand on y réfléchit bien, je ne suis qu'un... qu'un simple animal. Elliot, attends! Il est donc plus important que moi? Mais comment peux-tu être aussi insensible? Vous êtes pareils tous les deux. Têtu, têtu et tellement fier de vous. Dis-moi, la cigogne, tu crois que tu pourras nous faire un atterrissage en douceur?
Braphilius, tu es en retard. Tu es toujours en retard. Je n'ai toujours pas compris ce que nous faisons là, Kaja. Tu n'as donc pas de mémoire? Je te le répète une dernière fois. Je suis sûre que si nous capturons les animaux féeriques qui sont avec les Winx, nous mettrons très vite la main sur l'animal doté du pouvoir ultime. D'accord. Voilà, le piège est prêt à se refermer. Ah, le spectacle des Winx n'a pas encore commencé. Donc personne ne peut nous voir? Vous savez ce qu'on va faire? On va aller caresser les petits phoques. Ces phoques sont malades. On devrait le dire aux Winx. Oh oh, ces trois petites pestes viennent de me donner une idée. Merci de nous avoir prévenus. Pas moyen de trouver Elliot. Je n'ai... Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Bloom, les phoques sont malades. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin d'eux. Votre spectacle va être annulé à cause de tout ça? Bien sûr que non, allons. Bon, vous ne pouvez pas rester ici, on se revoit tout à l'heure. Là, j'avoue que ça m'échappe. Ils allaient bien. Que s'est-il passé? Mais dites-moi, il n'y a que 6 phoques? Oui, il en manque un. Nous allons le retrouver. Allons, suivez-moi. Attendez, je vais essayer de les soigner en me servant de la magie. Oui, tu as réussi, Flora. À toi de jouer, Braphilius. Sort d'inversion du temps. Nous sommes parvenus à perturber l'espace-temps. Et voilà le résultat. Nous sommes redevenues toutes petites. Peut-être, mais c'est toujours moi la plus jolie. Jolie ou pas, je suis la plus intelligente. Ne dis pas ça, Tecna. C'est à moi de parler maintenant. N'oubliez pas que nous sommes les Winx. Nous, oui. Je vais t'attraper, Musa. Ficher notre plan par terre! Ne me dis pas que tu as peur de ces 6 petites pestes! Les Winx s'occupent de ces pauvres bébés phoques. J'espère que ce n'est rien de grave. On devrait les aider. Allez-y, mais sans moi. Tu en veux toujours à Bloom? Allez, viens, fais pas la tête. Je suis sûr que ça va s'arranger. Vous êtes insupportables! Ces gamines ne devraient pas s'amuser toutes seules dans le parc. Elles ont dû échapper à la surveillance de Roxy. Venez, allons nous occuper d'elles. Bonjour. Vous devez sûrement être des fans des Winx. Mais nous sommes les Winx, les seuls et uniques. Et nous avons une mission à accomplir. Jeune fille, vous ne devriez pas quitter votre guide durant la visite du parc. Ok, on va les ramener à Roxy. Sky, il faut que tu m'aides. C'est moi, Bloom. J'ai été transformée en petite fille. Mais bien sûr, je te crois. Une petite fille avec beaucoup d'imagination. J'en étais sûre. Tu ne me crois jamais. Oh.
Ne les laissez pas s'échapper. Stop. Fini de jouer, mesdemoiselles. Ben alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes les Winx. Nous n'avons qu'à nous servir de la magie. Bon, je l'avoue, je ne sais pas si ça va marcher. On peut savoir ce que vous faites? Winx Magic Butterflix. Youpi, ça a marché. Trop fort, on vole. C'est génial, fantastique. Non mais j'arrive pas à y croire. Ce sont vraiment les Winx. Bloom, Bloom, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard. Les Winx, il est temps de retrouver nos animaux féeriques. Oh, mais attendez. Revenez. Kaljara, tu peux me dire comment on va attirer les animaux féeriques dans notre piège? Ça, c'est mon affaire, Braphilius. Toi, tu les attrapes. Il est là, je le vois. Tu es le meilleur à Maroc. Tu l'as retrouvé. Et vous êtes tombé dans le piège. Regardez, un cirque. Oh, j'ai toujours adoré le cirque, moi. Venez, allons jeter un œil à l'intérieur. Vous oubliez notre mission. Mais revenez. C'est bien toi. Notre lien nous unit par-delà le temps et l'espace. Je t'aurais reconnu, quelle que soit ton apparence. À Maroc, qui vous a enfermé dans ces cages? Quoi, tu ne devines pas? Bienvenue au cirque de Braphilius. Encore toi, méchant garçon. Attaque flamboyante. C'est tout ce que tu sais faire, ma mignonne. Je t'interdis de te moquer de mon ami. Percussion sonique. Franchement, t'es encore plus drôle que ta copine. Rira bien qui rira le dernier. Hey, c'est parti. Le spectacle des Winx a commencé. Je vais compter jusqu'à 3. L'aventure commencera. Nos ailes vont se déployer. Nous sommes nés pour voler. Princesse dans le ciel, chaque jour on étincelle. Tu entends nos rires clairs sonner joyeusement dans l'air. Winx Club, nous sommes nés pour voler là-haut, dans le ciel étoilé, quelle joie. Notre vie est magique, le bonheur c'est toi et moi. Winx Club, nous sommes nés pour voler là-haut, dans le ciel étoilé, ha ha ha. La joie c'est notre vie, le bonheur ce sont nos amis. Vol, 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 plus haut. Vol, vol, quelle joie, on vole. Le bonheur c'est toi et moi. Winx Club, nous sommes nés pour voler là-haut, dans le ciel étoilé, ha ha ha. La joie
joie, c'est notre vie. Le bonheur, ce sont tous nos amis. Sunny, libère les autres animaux. Ils sont un peu trop nombreux à mon goût cette fois. Oh, je crois qu'il est enfilé. Je me demande où sont passées ces petites pestes. Elliot, tu n'aurais pas vu ces petites filles qui ressemblent à... Oh, tu n'aurais pas vu les Winx par hasard? C'est trop beau pour être vrai. La licorne, l'animal qui me manquait. Mais d'abord, éliminer ce gêneur. Je m'occuperai de toi plus tard. Elliot, tu m'as sauvé. Je voulais te dire merci. Et pardon, je ne voulais pas être si méchant envers toi. Ah oui? Mais alors, on est copains? Combien de fois je vous ai répété de ne pas vous écarter de moi? Et ce chapiteau, ce cirque, d'où sort-il? C'est celui de Bravilius. Il nous a capturés et il nous a mis en cage. Mais on lui a donné une bonne leçon. C'est bien fait, bien fait. Jeune fille, vous rejoignez le groupe, s'il vous plaît. Attendez! Assez! Arrêtez de courir partout! Vous avez manqué le numéro des Winx. Bloom! Oh, vous êtes devenus amis? Super, super, super! Vas-y, Elliot. Tu sais ce que tu as à faire. Vous savez quoi? C'est très agréable de retomber en enfance. Tu as compris ce qui s'est passé? Oui. Comme d'habitude, les Winx, je ne peux pas vous quitter des yeux une seconde.